déjà dans la ville. Nicolas, arrête d'avancer son nom, quoi. Mais c'est où, vous êtes trop lent. Non, c'est toi qui es trop vite. Je joue en mode quoi, la prochaine fois où je vous sens toi, on prend notre temps, comme ça tu me rattrapes en 2-2. Culé. Culé. Après, tu me demandes de l'aide, tu vois. Ah bon? À quel moment? Ah, j'ai un bâton de fils d'up. Tu as un bâton de fils d'up, Mika? Ouais. Ouais. Hop là. Wow, c'est quoi ça? Oula, je jouis. Ouais, pourquoi? Tu jouis? Prends, on joue ensemble. Quoi? Bah, disons que Mika s'est mis devant moi et moi je l'ai enfilé. C'est quoi le truc qui brille là? Ouais, on la touche. Oh! Voilà. C'est à peu près la même sensation que j'ai eu. Voilà. T'es déjà rentré, Nico? Non. Ça suffit. Ça, c'est une voix qui nous tire couille. Mais t'as pas dit que c'était de la merde, la flèche? C'était des flèches illimitées? Oui. Ouais. Elles sont tous illimitées. Ah ouais? Ouais. Dans Skyrim aussi? Non. Non. Non, non. Là, c'est un MMO, donc je pense qu'ils ont eu des... Ouais. Des raccourcis de gameplay. Ils ont eu de l'intelligence de pas foutre la merde. Si, c'est la même chose avec les bâtons. Parce que les bâtons dans Skyrim, ça gaspille de l'énergie, chaque fois. On est où, alors? À Arthaeum. Avec des mecs beaucoup trop stylés pour nous. Oh putain, il y a un loup. Un mec qui court sur un loup. Oui, un loup. Le mec. Ça. Il y a un chemin, tueur. Frère. Pourquoi tu passes par la. Oui, putain, vrai touriste. C'est un blédard, lui, c'est normal. Mais je vous emmène. Oh, blédard. Il a pas de route dans sa ville. Voilà, c'est qui les touristes là qui vont dans les endroits où faut pas aller? Le nom fouille. Fou mes gars. Ouais. Oh, il y a un golem. Oh, nique lui sa mère. Ah non, ça se trouve, il était gentil. Désolé. Vas-y, on check. On check Carapuce. T'as dit que là, il a disparu. C'est le Carapuce. Il y a un golem. Mais oui, il a dit. Et il m'écoute pas, lui. Oh, il a le même cheval. Il a quoi? Il y avait un mec qui avait le même cheval que Darksider, la guerre. C'est vrai? Ouais. Nico, c'est pas là, Nico. Qu'est-ce que je veux? Mais c'est pas là! Il est pas là! Ah, c'est une marchande! Oui? Avant d'être alors... Finalement, je peux vendre toute cette merde. Bon, ouais, je crois que ça vaut de la merde. Ah, mais c'est à zéro! Tout se débarrasser. Bon, ouais, allez, elle me prend un saphir à zéro pièce. Ah, et tout va bien. Tout va bien. La vie est belle, la vie est belle. C'est vrai, elle prend tout à zéro, quoi. Fais chier. En fait, je me barre avec mon invisibilité. À saouler. Et je n'ai trouvé aucune trace de l'Ethan. Je ne sais pas si cela doit me réjouir ou m'inquiéter. Je suis jaloux de ta moustache, mec. Nous le trouverons, Val. Maintenant. Va voir la perle pendant que je parle à notre nouvelle invitée. Oh, un petit nain! Pleunasse. Val Sirène, c'est malheureux. La magie que vous décrivez me paraît familière, sans que je puisse me rappeler où j'en aurais entendu parler. Je crains que ces perles ne soient un signe avant-coureur de la menace dont nous parlait le Seigneur Seth. Le Seigneur Seth. Sotacil, l'un des dieux vivants du tribunal elfe noir. C'est un membre honoraire de notre ordre. Suite à l'attaque contre sa cité mécanique, il nous a prévenu qu'une menace d'Edric planait sur le couchant et Arthaeum. J'ai envoyé Val Sirène mener l'enquête. C'est trop stylé comme endroit. Tout à fait. Mais par contre, faut. Nous ayons étudié la perle que Val Sirène nous a rapportée. La prochaine. Faut vraiment connaître un peu le lore du Elder Scrolls. Hein. C'est compliqué. Ah, moi, je connais pas le lore. C'est grave. Non, j'ai déjà dit. On va à Sephora.
vers la tour de Sephora. Ah oui. C'est parti, Sephora. C'est parti. Putain, mais moi faut que j'aille me coucher, demain je travaille, je suis en ouf. Tu travailles demain? Bah oui. Oh ah oui. Moi je suis un vrai fils d'oc, moi. Ah oui, gros fils d'oc. Jusqu'à la moelle. Amis de Val-Sirène, j'ai une proposition à vous faire. Ah, bah pas sur moi, les gars. Salutations tranquilles, Kéruval. Salutations tranquilles. Le mec. Là, vous êtes rentré sur moi. Je suis bien. Marus. De toute façon, moi, j'ai arrêté. Le rites Yakessis m'a beaucoup parlé de vous. J'imagine qu'il a des projets pour vous au sein de notre ordre. Sûrement. Le maître des rites vous tient en très haute estime. Cela prouve votre valeur. Attends, Mika, t'es où? Avant que je parte, je te file un bâton. C'est exactement cette flamme dont nous avons besoin. Votre première leçon commence de suite. L'ordre accepte là où je t'encule. Plusieurs irrégularités sur ton réel. Je suis derrière toi là, retourne-toi, putain. La première série. Moi, je vois FPS, je sais pas où vous êtes. Bah, j'ai accepté, c'est toi qui n'as pas accepté. Exactement. Oh. Je suis sain. Non, mais me raconte pas ta vie qui est des bonnes bords. Alors attends. Alors qu'est-ce que tu me donnes? Enfin, quelqu'un de pas trop petit. Un bâton de glace. Oh, quelqu'un de grand. Oh, merci. Attends. Tiens, vas-y, cadeau. Elle est grande. Elle est super grande. Elle est comme moi. Qui es-tu? Qui est grand? Une donzelle. Je t'adore. Ah, j'en veux plus quand je vois ta tête là. On dirait que t'es ébahi par tout ce que tu vois. Oh, bah ça alors. Oh, bah ça alors, elle a des feux d'artifice dans la main. Incroyable. Absolument incroyable, il faut que je prenne ça en photo. Bon. Moi je vais vous laisser, les gars. Ouais, ça vous fait une petite. Bon, bah on va arrêter aussi. Ok. Oh, on a des courriers. Oh, quelqu'un nous écrit. Faire du parcours, je suis en train de glitcher le jeu. Kenny, c'est toi qui va. Qui va sur le côté de donner de la vie, ou pas? Ouais. Ok. Tu peux prendre, on sera pas. On est que 3, donc plus on est polyvalent, mieux ce sera. Ok, d'accord. Vu qu'on n'est pas une team de 20, on est une team de 3. Bah, il y a un cadavre. Bah. Et ça choque personne. Ah, c'est bon, il le veut bien. Voilà. Il est plutôt content. Il est plutôt vivace. Bon, on s'arrête là. Yes. Bon, c'était cool, hein. Moi, j'ai bien aimé. Oh, c'était cool, hein. Vas-y, toi, là. Rubedo. Le Rubedo, c'est dans le Witcher, ça. Ou dans tout ce qui existe en général. Oh, j'ai activé la quête de Morrowind. Merde. Comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. The Nerdman. Avec son singe de mort. Faut aller dans journal. Non, pas dans journal. Social, t'as courrier. Et en bas, t'as invitation à Morrowind. Alors, social. Vas-y. Courrier. Nico fait aussi en même temps. Mais non, mais ça va nous faire aller à Morrowind. Non, c'est juste on peut débloquer parce que le truc il expire dans 30 jours. Quoi? Ok, je l'accepte alors. Et après, normalement, vous avez une lettre et vous lisez. Enfin, vous avez un objet, genre c'est une enveloppe et il y a écrit invitation à Morrowind et vous acceptez.
pas des trucs plus sympas que ça. Et Mika? Mmh. Regarde. Oh. Oh. Qui a fait ça? C'est dire qu'on est amis, toi et moi. Ouais, ça veut dire qu'on est amis. De quoi tu parles? T'as les cassures. La foudre, là? Non. Non. Ah bah tiens, il y a des compétences en cuisine. Oh, c'est la fête, mes amis, c'est la fête. C'est quoi cette voix? C'est la voix RP de mon perso. Arrête. Bon. Ah, on laisse alors ici. Ouais. Ah, y a un mammouth laineux miniature. Bon, j'y vais. Ciao, les gars. Ciao. Ciao. Ciao.